Il faut savoir une chose de la liberté. À vouloir abuser de ce qu'elle offre, notre envie de tester ses limites devient plus grande encore, jusqu'à arriver au point de non-retour. Tout comme pour Magellan, qui, voguant toujours plus loin sur les mers à la poursuite d'une liberté infinie, ne se satisfaisait jamais d'une nouvelle île découverte. Une encore plus belle se trouverait peut-être plus loin à l'ouest. Et plus loin à l'ouest, il alla. Mouais. Quoi, Mouais? C'est incroyable ce qu'elle a écrit. Et en plus d'avoir eu la meilleure note à sa copie de philo, je trouve qu'elle a organisé des soirées incroyables. Ouais, c'est ça, elle est vraiment parfaite, cette Marie. Bah moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, je suis désolé. La liberté doit être cadrée. Sinon, c'est quoi? Bah c'est juste l'anarchie. C'est tout. Non, en vrai, je suis d'accord. Enfin, c'est comme le conte avec la chèvre, là. Bah, si tu prends un mouton et que tu le mets dans la forêt, bah, il va mourir et c'est fini. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Mais leur herbe, elle est fade, elle est sans saveur à tes moutons. Qu'ils aillent bouffer les pommes que peuvent leur offrir la forêt. Pour quelqu'un qui a rendu copie blanche à sa disserte de philo, je trouve quand même qu'il a des idées, hein. Enfin, tu me diras maintenant, t'as de quoi réfléchir d'ici le rattrapage. Mais vous comprenez vraiment rien. C'est pas la note d'un prof de philo qui va me définir la liberté. C'est pas en ayant un 20 sur une copie qu'on va sortir de notre vie de merde. Puis la liberté, ça se raconte pas, ça se vit. Elle est juste dégoûtée parce que Valentin est pas venu ce soir. Elle rêve de lui, que veux-tu, toute la nuit. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a loupé sa disserte de philo. Ah oui, elle s'évade avec lui. Oh Valentin, oh Valentin. Il serait temps de passer à autre chose. Vous voulez voir ce que c'est la liberté? Je vais vous montrer. Mais je vais aux toilettes en fait. Connard. Merci Marie. Mais je veux toilette en fait. Mais je veux toilette en fait. C'est vade avec moi. Oh Valentin, oh Valentin, oh Valentin. Oh Valentin, oh Valentin, oh Mais je veux toilette en fait. Oh Valentin, oh Valentin. C'est vade. La liberté, ça se raconte pas, ça se vit. T'es sûr que tu veux rien boire, mec? Non, je suis désolé, mais pas, on veut pas que je parle. Allez. Non, vraiment, je t'assure. Thank you.
plaisir, Chien. Valentin. Me lâcher, Marie. Putain, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais t'en as pas marre de jouer à la fille parfaite qui veut tout contrôler? Putain, mais quand est-ce que tu fais tomber le masque? Cette hypocrisie constante, c'est désagréable. Comment tu peux te supporter, Marie? Non, mais vous inquiétez pas, elle a juste un peu trop bu. Coulombe, arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je transgresse les limites de la bienséance, c'est ça? Putain, mais vous ferez mieux de vous regarder dans une glace plutôt que toujours me juger comme ça. Toi, Terry, par exemple. Toujours à faire ton fils à papa, c'est pas comme ça que tu vas être plus heureux en réussissant tes études. Putain, mais regarde-toi. Oh non, pas d'alcool, mon papa il a dit non. C'est chiant. Et toi, tu dis rien? Non, évidemment que tu dis rien comme d'habitude. La petite brebis qui suit ses amis partout où ils vont. Mais réveille-toi, c'est pathétique. Tu te rends même pas compte que tout le monde te marche dessus comme ça, qui m'en est de l'affection. Et toi avec ta tête là, tu te rends compte, t'as l'air débile. Tu t'incrustes à toutes les soirées, mais personne veut de toi ici. Tu dégages. Dégage. Vas-y, dégage. Ce que certaines personnes oublient, c'est que Magellan n'a pas eu connaissance des limites du monde. Magellan est mort en voyage, mort parce qu'il aimait la liberté.